Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc peu importe la version. Là nous allons parler des outils correcteurs qui se trouvent ici. Donc par défaut je crois que c'est celui-ci. Bah oui c'est le premier logiquement. Voilà. Donc ici nous avons outils correcteurs localisés, outils correcteurs, outils pièces, outils déplacement basés sur le contenu et outils œil rouge. Bon, ben, comme je vois, ben, je suis déjà sur cette photo-là. On va prendre outil rouge ici. Voilà. Et vous voyez, votre curseur ben, correspond à l'image qui est ici. Voilà. Hein, vous avez un petit plus avec un œil. Donc ici, j'ai une femme avec les yeux rouges, dû à le flash, l'appareil photo ou autre lumière. Hein, je ne vais pas vous en parler plus. Je ne suis pas un pro de la photo. Donc je vais faire juste un petit zoom, hein. Vous voyez, si je vais ici, je clique là, je zoome à partir de cette partie-là. Si je zoome à partir de cette partie-là, je vais rester ici plus sur les cheveux. Donc moi, c'est ici aux yeux que je vais aller. Voilà. Donc une fois que nous avons sélectionné notre outil correcteur ici, tac, excusez-moi, toc. Sélection, désélectionner, je ne sais pas pourquoi c'est sélectionné. Calque, je vais faire une copie. Ça, on verra avant et après. Et là, je vais sélectionner, vous voyez. Hop. Je m'en fous, je vais pas m'amuser à juste prendre l'œil. Vous voyez, je peux prendre large. Il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, ça peut juste. Donc, je vais prendre plus large. Donc, je vais annuler et voilà donc prenez assez large de façon que ça prenne bien les yeux hein. Donc ici tout de suite ben on va dézoomer déjà pour commencer voilà avant et après nickel donc ça va très bien pour les yeux rouges mais ce qui arrive c'est que nos amis les bêtes. Hop, je vais dupliquer de suite. Voilà. Ça arrive qu'ils ont les yeux rouges. Ici, vous voyez, ils ont les, il y a les yeux qui sont jaune orangé. Des fois, ça peut virer au vert aussi, je crois. Et puis, je sais plus. Bon, enfin bref. Donc, on voit la différence. Ici, hop, je vais prendre celui-ci. Ça marche. Vous voyez, sur les yeux rouges, pas de problème. Si je fais, oups, l'arrière, si je sélectionne juste la tête, voilà. Si je prends cet œil-là, ça fonctionne, c'est bizarre. Ah, et celui-ci, il fonctionne pas, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, je vais revenir en arrière. Donc on va procéder d'une autre façon. Donc ben déjà, je vais zoomer sur ses yeux. Voilà. Et je vais prendre un outil, n'importe lequel. Par exemple, je vais prendre baguette magique, outil de sélection rapide. Vous pouvez prendre ici une ellipse. Vous pouvez prendre ici l'outil lasso ou l'outil lasso magnétique. Tiens, j'en ai pas parlé dessus là. Tiens. L'outil lasso magnétique justement il va faire en sorte vous voyez vous cliquez là vous cliquez là vous cliquez là ici et je referme vous voyez il détecte les bords bon c'est pas tout à fait top 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 hein, par rapport à cette photo là hein. Bien sûr faut une photo quand même qui a des bords assez nets quand même. Donc voilà, donc vous pouvez prendre cet outil-là. Moi je vais prendre ici l'outil de sélection rapide. Donc j'enlève cette sélection-là que j'ai mis là. Et j'ai cliqué et j'ai essayé de prendre au mieux. Bon, je vais pas trop m'attarder hein, par rapport au tuto. Hein, ça,
j'ai fait un tuto dessus, normalement devrait y arriver sans problème. Dégage un peu par là, toi. Voilà, bon, on va rester comme ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller sur image, réglage, désaturation. Donc, image, réglage, désaturation. Voilà, nous avons les yeux gris ici. Et nous allons aller ici, vous voyez où il y a la petite main. Logiquement, c'est cette image-là, je crois qu'il est. Enfin, il est ici. Et je vais mettre outil densité plus. Et je vais mettre des petits clics comme ça dessus. J'ai mis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux mettre un petit peu plus, voilà, 12 même. Section désélectionnée, je vais dézoomer et voilà le résultat. Donc voilà, comme ça l'outil œil rouge ne marche pas, hein. Ça marche aussi bien pour tous les animaux. Hein, je trouve bizarre que des fois ils ont les yeux verts ou les yeux rouges ou les yeux jaunes ou les yeux je sais plus quelle couleur. Voilà. Ok. Donc ben voilà, nous avons vu ici pour la correction des yeux, ben ici œil rouge. Bon, ben j'étais un peu plus loin ici hein, par rapport à ce chien-là. Voilà. Comme quoi il n'y a pas que les yeux rouges. Voilà. Nous allons changer d'image. Je vais sur celle-ci. Ici, vous avez une église avec les câbles électriques ici. Or, ces câbles électriques, on n'en veut pas. Bon là, j'ai pris quand même une image assez complexe à faire par rapport au monument. Mais c'est pas grave, on va s'occuper juste de cette partie-là. Donc j'ai commencé par zoomer sur les fils ici. Donc ici, j'ai pris le premier, hein, outil correcteur localisé. Et vous voyez, si je passe un coup ici, donc peut-être pas aller trop loin quand tu veux, voilà, par petit coup comme ça, voilà, donc vous voyez ici c'est nickel. Bon, ici c'est un peu plus complexe par rapport à le bord de la toiture ici. Et il veut pas. Ah, quand même. Ah, il se remet. C'est pas vrai. Donc voilà. Bon, on a un petit défaut ici, mais quand on s'éloigne un peu, on voit encore le petit défaut. Mais tout ça, on peut rectifier par la suite. Hein. C'est juste pour vous faire voir comment utiliser cet outil-là. Ici, nous avons l'outil correcteur. Ah, l'outil correcteur. Je vais retourner là. Vous voyez, si je clique ici, il me dit Alt-clic pour définir un point source à partir duquel répartir l'image. Réparer l'image, pas répartir. Donc je vais faire Alt clic ici et vous voyez quand je passe ici, vous voyez, ça va me mettre la couleur que j'ai sélectionnée sur les parties d'image. Donc là c'est un peu plus gris, je vais faire Alt et je vais prendre cette partie là. Voilà, je vais faire Alt, je vais reprendre ici pour effacer un peu ça. Voilà. Alt ici, pour faire cette partie-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà, c'est nickel. Hein. Sur si je vais là, je vais mettre, rajouter un peu de
un peu de nuages. Ouais, très fin ici, voilà. Ok. Ensuite, nous avons l'outil pièce. Ah, l'outil pièce. Non, c'est pas pour faire des euros. Il y a longtemps, j'aurais fait. J'aurais peut-être pas dit comment il fallait faire non plus, d'ailleurs. Donc, je vais aller plutôt sur cette image-ci. Ici, je vois que il y a des kayaks qui se promènent un peu partout. Ma photo est un peu foutue, je vais dire. Bon, celui-là qui a pris la photo, c'est qu'il voulait vraiment prendre ça, mais moi, j'en veux pas. Donc, ce que je vais faire, avec l'outil pièce, je vais, vous voyez, détourer l'image ici. Je relâche ici. Voilà. Et vous voyez, mon curseur ici, vous voyez, j'ai l'outil qui est représenté ici, avec une flèche. Si je me mets à l'intérieur, vous voyez, il a rajouté une flèche. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer mon image de façon à faire disparaître le kayak et prendre ici des points, des endroits plus intéressants. Ici, je vais à côté, je vais prendre cette partie-là. Voilà. Et puis, je vais le bouger, je vais mettre ici. Si je fais sélection, désélectionner, vous voyez, il n'y a plus de bateau. Hein, on peut enlever aussi ces traces qui sont là. Je vais plutôt aller. Par ici. Voilà. Sélection, désélectionner. Bon, j'ai pas pris au bon endroit. Il faut chercher le, bien sûr, ce qui va correspondre le plus. Donc bon, ça, tout ça, c'est à travailler. Donc voilà, comme ça vous avez vu à quoi déjà sert l'outil pièce. Je vais changer d'image ici. Non, justement, je vais rester là parce que j'ai ici on va prendre l'outil correcteur, non pas l'outil correcteur, on va prendre l'outil correcteur localisé et je vais peindre. J'enlève ma sélection. Comment ça marchera pas? Vous voyez, je vais peindre le kayak qui est ici, par exemple. Je relâche. Voilà, pour ce genre d'image, c'est ce qu'il y a de mieux. A plus de kayak, terminé, on n'en parle plus. Donc voilà, pour ce genre d'image, c'est ce qu'il y a un peu mieux hein, par rapport à l'outil pièce. Par contre, l'outil pièce lui va servir par exemple sur ce genre d'image ici. Donc je vais détourer ici grossièrement mon bateau. Bon, l'ombre, je ferai après. Et puis là, vous voyez, je vais chercher à rester, vous voyez, sur ce soit quand même. Voilà, cohérent. Hop, il cherche. Voilà. Et je vais prendre ce bateau. Hop, cette partie-là. Et je vais décaler. Essayer d'être bien sur l'alignement. Voilà. Et je vais peut-être prendre aussi ça. On va essayer de rester bien sa ligne parce que si vous voyez, hop. Hop. Donc si je fais sélection, désélectionner, il n'y a plus de bateau. Donc ben voilà pour les outils correcteurs. Ah non, il y avait aussi celui-là. Je crois que j'ai fermé celui-là. Et puis je vais aller rechercher. Il est là. Voilà. Donc, pareil, je fais une sélection autour. Voilà. Et je vais le déplacer. Et je vais le mettre ici.
Voilà, calcul. Et voilà, vous avez déplacé votre bateau qui était ici. Maintenant, il se trouve ici. Voilà. Donc c'est sûr, si vous le prenez, vous le mettez ici, il va y avoir des soucis par rapport à différence de nuances ici, dues aux ombres de je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà, où le fond est un peu plus foncé. Voilà, donc si vous voulez vraiment le prendre et le mettre là, il faut vraiment faire un bon détourage ici pour pouvoir le déplacer. Ok, donc ben voilà, nous avons vu tous ces petits outils correcteurs ici. Hein, ça on a fait, ça on a fait, on a fait, on a fait, et on a fait. Ok, donc ben voilà, ce tuto s'arrête là. J'espère que ça va être utile à certains. Je pense que oui, parce que souvent on fait des photos et puis un peu embêté. Toi, tu aurais pu te mettre ailleurs. Voilà. Ok. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.